On est content que vous soyez là. Très content. On est en direct, bien sûr. Et on va démarrer ces Victoires de la musique par une surprise. Ils sont avec nous ce soir, ils ont tenu à être là. Ils sont au courant ou quoi? On sait déjà qu'ils sont arrivés. Le plus grand groupe de rock français est avec nous ce soir pour ouvrir la soirée. Il est le seul capable de remplir le Stade de France, de faire 2 ans et demi de tournée à guichet fermé. 800 000 personnes les ont suivis en concert. Un public en délire pour un groupe de légende que nous allons donc accueillir dans quelques minutes, dans secondes. Dans quelques secondes, voilà. Avec nous ce soir, ils vont nous chanter Electra Star. Attention, Indochine. Indochine. Les musiciens se mettent en place. On est en direct, ils se mettent en place. C'est du live. Ce sera que du live ce soir. Ça vaut le coup d'attendre. Ce sont des stars, on les attend, c'est comme ça, c'est normal. Voilà Indochine. Je voudrais te revoir.
Machine. Electra Star. Avec nous ce soir. Electra Star. Il vient de nous interpréter Electra Star. Merci Indochine. Merci, merci mille Indochine. Bravo. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Et ce soir, les victoires de la musique vont vous rendre hommage. Merci encore d'être avec nous. Et Marie Drucker, qui est également avec nous, qui nous fait la chance d'être là ce soir, va vous remettre un prix d'honneur. Pour Marie Drucker, s'il vous plaît, merci. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Marie. Et merci à Indochine d'être avec nous. Et bonsoir à Indochine et bravo. Bonsoir. Alors, je suis d'autant plus... Est-ce qu'il y a des fans d'Indochine ce soir? Eh bien, ils ont été comme ça, 800 000 à les suivre tout au long de leur tournée. 2 ans et demi de tournée Météor Tour, qui s'achève ce soir au Zénith de Lille, avec vous et pour vous. 80 000 personnes en juin dernier au Stade de France. C'est ça avec Indochine. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on donne un chiffre sur Indochine, ça déchaîne les foules. C'est ça, exactement. Ça déchaîne les foules. C'est ça qu'on aime. Donc 80 000 personnes au Stade de France. C'est la première fois qu'un groupe français se produisait dans ce stade qui est le plus grand de notre pays. Je suis très heureuse et très honorée et très fière de vous remettre cette victoire d'honneur à tous. Bravo, car je suis moi aussi fan d'Indochine. Bravo. Victoire d'honneur pour le groupe Indochine ce soir. Merci beaucoup. Oh, vous êtes très gentils, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, je vais être un petit peu vulgaire, mais j'ai une putain de chance d'être avec un putain de groupe ici, merci. Et aussi, je voudrais donc partager cette victoire avec toute notre équipe technique qui, heureusement, est là ce soir, ici, qui a fait ses 2 ans et demi de tournée avec nous. Merci à eux. Je voudrais partager aussi cette victoire avec les gens de notre label, les gens d'Arachné. Je voudrais partager cette victoire, on voudrait partager cette victoire avec Émilie. Il y a 2 ans, elle était ici. Pour la dernière fois, elle accompagnait un artiste de grand talent. Et je suis sûr que ce soir, ses larmes seront celles de joie. Et je voudrais aussi partager cette victoire avec Gwen, avec Théa et avec Alice. Et puis surtout, vu que c'est une victoire exceptionnelle, je voudrais la partager avec vous, avec ce putain de public exceptionnel. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Merci à tous. Ça. Quel ça, geste. Quel geste. Quel symbole fort. C'est énorme comme Indochine. Nicolas et le groupe Indochine, on va les retrouver tout à l'heure pour un concert. À tout à l'heure. Sur France 4. Exclusif. Merci Indochine. Merci Indochine. Marie. À tout à l'heure pour un concert. Marie, on l'a rien pour nous. Marie, on la retrouvera. Marie, on la retrouvera le 1er mars. Ce sera sur France 2 pour les victoires de la musique. Et nous, on va démarrer. Ça y est, on va démarrer avec la première catégorie de la soirée. C'est votre catégorie puisque c'est la catégorie du public.